La Vierge Marie, vénérée comme la mère de Jésus-Christ dans la tradition chrétienne, occupe une place centrale dans l'histoire et la dévotion religieuse. On croit qu'elle a vécu au 1er siècle, et sa vie et son héritage ont inspiré d'innombrables croyants et érudits. Récemment, un événement remarquable a captivé l'attention du monde. Des images vidéo de ce qui est prétendu être le tombeau de la Vierge Marie, scellé depuis des milliers d'années, sont devenues virales. Alors que nous nous plongeons dans les détails de cette découverte extraordinaire, nous vous invitons à nous rejoindre pour explorer les mystères et les implications de ce tombeau antique. Découverte du tombeau de la Vierge Marie. La découverte récente de ce qui est supposé être le tombeau de la Vierge Marie a captivé la communauté mondiale, suscitant excitation et curiosité parmi les historiens, les archéologues et les fidèles. Cette trouvaille extraordinaire promet d'éclairer la vie et l'héritage de l'une des figures les plus vénérées du christianisme, connue comme la mère de Jésus-Christ. La Vierge Marie, connue pour sa pureté et son humilité, est une figure centrale de la dévotion chrétienne depuis des siècles. Selon la tradition chrétienne, elle a été choisie par Dieu pour porter son Fils, Jésus, la marquant comme une figure pivot de la narration du salut. Sa vie, pleine de foi profonde et d'amour maternel, a inspiré d'innombrables œuvres d'art, de littérature et de théologie. La découverte de son tombeau n'est donc pas seulement un événement archéologique, mais un moment significatif dans l'exploration continue du patrimoine chrétien. Le tombeau, scellé depuis des milliers d'années, a été découvert grâce à une combinaison de textes historiques, de technologies d'imagerie avancées et de fouilles minutieuses. Situé dans une zone riche en histoire ancienne, le site a été identifié après des années de recherches méticuleuses. La découverte a été faite par une équipe d'archéologues qui enquêtait initialement sur des ruines supposées dater de la période chrétienne primitive. L'excitation a atteint son comble lorsqu'ils ont découvert une chambre scellée ornée de symboles et d'inscriptions cohérents avec l'iconographie chrétienne primitive. En entrant dans la chambre, l'équipe a trouvé un sarcophage qui, selon les examens initiaux, date du 1er siècle. Les inscriptions et les artefacts trouvés à l'intérieur du tombeau concordent avec les récits historiques de la vie et de l'enterrement de Marie. Bien que l'identification concluante nécessite une analyse plus approfondie, les découvertes préliminaires ont généré une immense excitation. L'intérieur du tombeau, remarquablement bien préservé, offre un aperçu rare et précieux des pratiques funéraires et des croyances religieuses des premiers chrétiens. Cette découverte a suscité un vif intérêt et de nombreuses spéculations. Les érudits débattent avec enthousiasme des implications de cette trouvaille pour notre compréhension du christianisme primitif et du rôle de la Vierge Marie en son sein. Les dirigeants religieux ont également pris position, réfléchissant à la signification spirituelle d'une telle découverte pour les fidèles du monde entier. Pour de nombreux croyants, cette découverte renforce leur foi et les rapproche des racines historiques de leur tradition religieuse. En plus de son importance religieuse et historique, la découverte du tombeau de la Vierge Marie devrait avoir un impact considérable sur le tourisme et les efforts de préservation culturelle. Les pèlerins et les touristes du monde entier sont susceptibles de se rendre sur le site, désireux de voir un morceau d'histoire de leurs propres yeux. Cet afflux pourrait apporter une attention et des ressources nécessaires à la préservation d'autres sites anciens dans la région, garantissant que ces trésors culturels soient protégés pour les générations futures. Découverte du tombeau de Jésus-Christ. La découverte potentielle du tombeau de Jésus-Christ a déclenché une vague d'excitation et d'intrigue sans précédent à travers le monde. Cette trouvaille significative, qui pourrait modifier notre compréhension de l'histoire et de la religion, a attiré l'attention des érudits, des théologiens et des croyants du monde entier. Jésus-Christ, au cœur du christianisme, est vénéré comme le Fils de Dieu, dont la vie et la résurrection forment le fondement de la foi chrétienne. La perspective de découvrir son tombeau est monumentale, tant sur le plan spirituel qu'historique. La recherche du tombeau de Jésus-Christ est une quête depuis des siècles, empreinte de ferveur religieuse et de poursuite académique. Selon la tradition chrétienne, Jésus a été crucifié, enterré et ressuscité le troisième jour,
un événement célébré comme Pâques. L'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem a longtemps été vénérée comme le site de sa crucifixion et de son enterrement, mais l'emplacement exact de son tombeau a été sujet de débats et de spéculations. La découverte récente est le fruit d'une combinaison de recherches historiques, de technologies modernes et de fouilles diligentes. Les archéologues, guidés par des textes anciens et des techniques d'imagerie moderne, ont découvert un site qui correspond aux descriptions du lieu de sépulture de Jésus. Le tombeau, situé dans une zone riche en histoire biblique, a été trouvé scellé, intact, depuis des millénaires. L'équipe a minutieusement excavé le site, révélant une chambre funéraire qui, d'après les premiers examens, date du 1er siècle. À l'intérieur du tombeau, les archéologues ont trouvé un sarcophage finement sculpté et une collection d'artefacts qui semblent correspondre à l'époque de Jésus. Les inscriptions et les symboles trouvés dans la chambre ressemblent fortement à ceux associés aux sépultures chrétiennes primitives. Bien que l'identification définitive nécessite des études supplémentaires, les premières découvertes ont généré une excitation et des spéculations considérables. Si elle est confirmée, cette découverte pourrait fournir un lien tangible avec l'une des figures les plus centrales de l'histoire. La découverte potentielle du tombeau de Jésus-Christ a des implications profondes pour la recherche historique et la croyance religieuse. Pour les érudits, elle présente une opportunité sans précédent d'étudier les pratiques funéraires et la culture matérielle des premiers chrétiens, offrant potentiellement de nouvelles perspectives sur le Jésus historique. Pour les croyants, le tombeau est un site sacré qui renforce leur foi, offrant une connexion physique avec les événements qui sous-tendent le christianisme. Cette découverte a également suscité un débat théologique significatif. Certains dirigeants religieux y voient une validation des récits bibliques, tandis que d'autres appellent à la prudence, soulignant la nécessité d'une analyse scientifique rigoureuse. Le grand public, quant à lui, est captivé par l'histoire en cours, avide de mises à jour et de révélations. Au-delà de son impact religieux et historique, la découverte devrait attirer un immense intérêt de la part des touristes et des pèlerins du monde entier. Le site pourrait devenir une destination majeure, attirant ceux qui cherchent à se connecter aux racines de leur foi et au Jésus historique. Cet afflux de visiteurs pourrait également stimuler les économies locales et favoriser un intérêt international accru pour la préservation d'autres sites historiques de la région. Importance de la Vierge Marie dans la tradition chrétienne. La Vierge Marie, également connue sous le nom de Marie de Nazareth, occupe une place essentielle et vénérée dans la tradition chrétienne. En tant que mère de Jésus-Christ, elle est vénérée pour sa pureté, son obéissance et son soin maternel, jouant un rôle crucial dans le récit du salut et les pratiques de foi des chrétiens du monde entier. L'importance de Marie commence avec son rôle dans l'incarnation. Selon les évangiles, Marie a été choisie par Dieu pour porter son Fils, Jésus, par l'Esprit Saint. Cette conception miraculeuse souligne sa position unique en tant que Théotokos, ou porteuse de Dieu. L'Annonciation, lorsque l'ange Gabriel annonça à Marie qu'elle concevrait Jésus, est un événement clé célébré dans le christianisme. Sa réponse « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole » illustre sa foi et son obéissance inébranlable à la volonté de Dieu. Cet acte d'acceptation est considéré comme un modèle de discipleship et de confiance en Dieu. La pureté et l'innocence de Marie sont au cœur de sa vénération. La doctrine de l'Immaculée Conception, qui affirme que Marie a été conçue sans péché originel, met en évidence sa sainteté exceptionnelle et son rôle particulier dans le plan de Dieu. Cette croyance est particulièrement significative dans les traditions catholiques romaines et orthodoxes, où elle est honorée comme la Vierge Immaculée et la Reine du Ciel. La doctrine de sa virginité perpétuelle, maintenue par l'Église primitive, accentue encore son statut unique et son dévouement à Dieu. Dans la dévotion chrétienne, Marie est considérée comme une figure maternelle pour tous les croyants. Son rôle dépasse celui de la mère de Jésus. Elle est vue comme une mère spirituelle qui intercède en faveur de l'humanité. La doctrine de l'Assomption, qui affirme que Marie a été assumée corps et âme au ciel,
renforce sa présence continue et son influence dans la vie des fidèles. De nombreux chrétiens recherchent son intercession, croyant en son plaidoyer compatissant devant Dieu. L'influence de Marie imprègne la liturgie chrétienne et les pratiques de dévotion. Les fêtes telles que l'Annonciation, l'Assomption et la Nativité de Marie commémorent des événements importants de sa vie et ses contributions à l'histoire du salut. Les prières dévotionnelles comme le « Je vous salue Marie » et le rosaire sont intégrales à la spiritualité catholique, reflétant une profonde révérence pour Marie dans la pratique quotidienne. Les apparitions mariales, les visions rapportées de Marie apparaissant à des individus, ont encore renforcé son rôle en tant que présence guidante et réconfortante, conduisant à l'établissement de grands sites de pèlerinage comme Lourdes en France et Fatima au Portugal. Dans l'art et la littérature, Marie a été une source profonde d'inspiration. Son image, souvent représentée comme la Vierge à l'enfant, symbolise l'amour maternel, la pureté et la grâce divine. Ces représentations artistiques ont joué un rôle crucial dans la transmission de ses vertus et de sa place dans le récit chrétien. Site sacré associé à Jésus-Christ. Les sites sacrés associés à Jésus-Christ ont une immense importance pour les chrétiens du monde entier. Ces lieux, profondément liés à la vie, au ministère, à la mort et à la résurrection de Jésus, servent de puissants lieux de pèlerinage, de réflexion et de culte. Ils fournissent des connexions tangibles avec les récits bibliques et sont au cœur de la foi chrétienne. Bethléem, le lieu de naissance de Jésus. Bethléem est sans doute l'un des sites sacrés les plus significatifs. Selon les évangiles de Matthieu et Luc, Jésus est né à Bethléem. L'église de la Nativité, construite sur le site traditionnel de la naissance de Jésus, est une destination de pèlerinage majeur. Cette basilique, l'une des plus anciennes églises en fonctionnement continu dans le monde, marque l'endroit où Marie a donné naissance à Jésus dans une humble crèche. Les pèlerins visitent la grotte de la Nativité, une grotte sous l'église où la Nativité est censée avoir eu lieu. Nazareth, le foyer d'enfance de Jésus. Nazareth, où Jésus a passé une grande partie de son enfance, est un autre site important. La basilique de l'Annonciation, située à Nazareth, est construite sur le site où l'ange Gabriel est censé avoir annoncé à Marie qu'elle concevrait Jésus. Ce site célèbre le moment de l'incarnation, une pierre angulaire de la croyance chrétienne. Nazareth comprend également d'autres sites significatifs, comme l'église de Saint-Joseph, construite sur ce qui est supposé être la maison du Père terrestre de Jésus, Joseph. Le Jourdain, lieu du baptême de Jésus. Le Jourdain a une importance spirituelle profonde en tant que site du baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Cet événement marque le début du ministère public de Jésus et est considéré comme un moment de révélation divine où Dieu a déclaré Jésus comme son Fils bien-aimé. Les pèlerins visitent le site, connu sous le nom de Yardenit, pour vivre un renouveau symbolique de leur propre baptême et pour se connecter avec un événement central de la vie de Jésus. La mer de Galilée, centre du ministère de Jésus. La mer de Galilée est centrale pour le ministère de Jésus, où il a accompli de nombreux miracles et délivré des enseignements clés. Les sites autour du lac, tels que Capernaum, où Jésus prêchait dans la synagogue, et le mont des Béatitudes, où il a prononcé le sermon sur la montagne, sont essentiels pour comprendre son message et ses œuvres. Ces lieux sont chéris pour leur beauté sereine et leur profonde résonance spirituelle. Jérusalem, la Passion, la Crucifixion et la Résurrection. Jérusalem est peut-être le site le plus sacré du christianisme, englobant le point culminant du ministère terrestre de Jésus. La Via Dolorosa, le chemin que Jésus a parcouru en route vers sa crucifixion, est une route de pèlerinage significative. L'église du Saint-Sépulcre, construite sur les sites de la crucifixion de Jésus au Golgotha et de son enterrement et résurrection, est le lieu chrétien le plus sacré. Cette église est un lieu de profonde révérence où les croyants réfléchissent au sacrifice de Jésus et au triomphe de la résurrection. Mont des Oliviers, l'ascension de Jésus. Le mont des Oliviers est l'endroit où Jésus est monté au ciel 40 jours après sa résurrection. La chapelle de l'Ascension,
un petit sanctuaire sur le mont, marque cet événement. Le mont des Oliviers abrite également le jardin de Gethsémani, où Jésus a prié avant son arrestation. Ce jardin reste un lieu de contemplation et de prière profonde pour les pèlerins. Gui. Hypothèse du corps volé. L'hypothèse du corps volé est une théorie qui remet en question la croyance chrétienne traditionnelle en la résurrection de Jésus-Christ. Selon cette hypothèse, le corps de Jésus n'a pas été ressuscité, mais a plutôt été volé du tombeau peu après son enterrement. Cette explication alternative découle principalement d'un passage de l'évangile de Matthieu qui affirme que les chefs religieux juifs ont soudoyé les gardes romains pour diffuser l'histoire selon laquelle les disciples de Jésus auraient volé son corps pendant qu'il dormait. Matthieu 28:11-15. Les partisans de l'hypothèse du corps volé soutiennent que les disciples avaient un fort motif pour voler le corps de Jésus. Croyant aux enseignements et miracles de Jésus, ils auraient pu chercher à perpétuer son message et à valider sa prétention de résurrection en créant l'impression qu'il était revenu d'entre les morts. L'hypothèse suggère que les disciples ont eu l'opportunité de retirer le corps parce que les gardes romains, chargés de sécuriser le tombeau, étaient soit soudoyés, soit endormis. Les critiques de cette hypothèse soulèvent plusieurs objections. Ils remettent en question la fiabilité du témoignage des gardes, arguant que les soldats romains risquaient une sévère punition, voire la mort, pour avoir dormi en service. La transformation rapide des disciples, auparavant craintifs et démoralisés, en proclamateurs audacieux de sa résurrection, est également vue comme incompatible avec l'hypothèse. Les critiques affirment qu'une telle transformation indique une croyance authentique en la résurrection, plutôt qu'une histoire fabriquée. De plus, le contexte historique ajoute de la complexité à l'hypothèse du corps volé. Les preuves de l'époque ne soutiennent pas fortement le vol généralisé de corps dans des tombes scellées. Les autorités juives et romaines assuraient généralement une stricte sécurité des tombes, rendant le vol risqué et peu probable. D'un point de vue théologique, l'hypothèse du corps volé remet en question la croyance fondamentale du christianisme en la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Elle suggère que la proclamation chrétienne précoce de la résurrection de Jésus était une fabrication délibérée ou une mauvaise compréhension plutôt qu'une réalité historique. Malgré ces défis, la résurrection demeure un principe central de la foi chrétienne, soutenu par des récits historiques et des interprétations théologiques qui soulignent son importance dans la doctrine et la croyance chrétienne. Restauration de l'Église du Saint-Sépulcre. La restauration de l'Église du Saint-Sépulcre est une entreprise significative qui souligne à la fois l'importance historique et religieuse de ce site vénéré. Située au cœur de la vieille ville de Jérusalem, l'Église du Saint-Sépulcre est censée englober les lieux où Jésus-Christ a été crucifié, enterré et ressuscité. Les efforts de restauration ont visé non seulement à préserver son intégrité architecturale, mais aussi à maintenir sa signification spirituelle pour des millions de chrétiens dans le monde entier. L'Église du Saint-Sépulcre a une profonde signification religieuse pour les chrétiens en tant que site où la crucifixion, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ sont censés avoir eu lieu. Selon la tradition, l'église a été construite par l'empereur romain Constantin le Grand au IVe siècle, suite à la découverte par sa mère, Hélène, de la vraie croix et du Saint-Sépulcre lui-même. Au fil des siècles, elle a subi de nombreuses rénovations et extensions, reflétant à la fois son importance durable et les défis de la préservation des structures anciennes dans une région tumultueuse. Préserver l'église du Saint-Sépulcre présente des défis uniques en raison de son âge, de sa complexité et de la multiplicité des responsabilités de gestion partagées entre plusieurs dénominations chrétiennes, les églises orthodoxes grecques, catholiques romaines et apostoliques arméniennes, entre autres. Les disputes concernant le contrôle et l'entretien ont parfois conduit à des tensions, mais les efforts de restauration ont souvent uni ces factions dans un engagement commun à protéger ce site sacré. Ces dernières années, des projets de restauration significatifs ont été entrepris pour résoudre les problèmes structurels et garantir la stabilité à long terme de l'Église. Un effort notable
a commencé en 2016, dirigé par l'Université technique nationale d'Athènes, et a concentré ses efforts sur le renforcement de l'édicule, la petite structure abritant le tombeau de Jésus, contre l'instabilité structurelle causée par des siècles d'usure et de tremblements de terre. La restauration de l'édicule a été particulièrement difficile en raison de son état fragile et de la nécessité d'équilibrer conservation et accessibilité pour les pèlerins. Le projet a impliqué un travail minutieux pour renforcer la maçonnerie ancienne et stabiliser les fondations sans compromettre l'authenticité historique du site. Au-delà de son importance religieuse, l'église du Saint-Sépulcre a une signification culturelle en tant que site du patrimoine mondial de l'UNESCO et attraction pour les touristes et pèlerins du monde entier. Les efforts de restauration en cours non seulement assurent la préservation physique de l'église, mais contribuent également à l'attrait culturel et touristique de Jérusalem, soutenant les économies locales et favorisant le dialogue interreligieux. À l'avenir, les efforts de maintenance et de restauration continueront d'être essentiels pour préserver l'église du Saint-Sépulcre. Ces efforts nécessiteront la collaboration entre diverses dénominations chrétiennes, autorités religieuses, archéologues et experts en conservation pour naviguer dans les défis complexes de la conservation d'un site religieux ancien et vénéré dans une ville moderne et dynamique. Gavrudu, impact religieux et culturel des découvertes de tombes. La découverte de tombes anciennes, en particulier celles liées à des figures religieuses ou à des événements religieux, a des implications religieuses et culturelles profondes qui résonnent profondément dans les sociétés. Ces découvertes offrent souvent un lien tangible avec le passé, réaffirmant les récits de foi et offrant de nouvelles perspectives sur les contextes historiques. Voici un examen des impacts religieux et culturels de telles découvertes de tombes, en s'appuyant sur des exemples de diverses traditions et leurs implications plus larges. La découverte de tombes associées à des figures religieuses vénérées, telles que celles de saints ou de prophètes, peut avoir un impact profond sur les croyants. Ces découvertes valident les traditions de foi et approfondissent les connexions spirituelles en fournissant des preuves physiques d'événements historiques ou de la vie des figures religieuses. Par exemple, la découverte du tombeau de Saint-Pierre sous la basilique Saint-Pierre à Vatican au milieu du XXe siècle a réaffirmé les croyances en la succession apostolique et le rôle fondamental de Pierre dans le christianisme. De même, les découvertes à Jérusalem, telles que le tombeau de la Vierge Marie ou les explorations près de l'église du Saint-Sépulcre, résonnent profondément avec les chrétiens du monde entier. Ces découvertes non seulement confirment les récits bibliques, mais enrichissent également la compréhension théologique et les traditions de pèlerinage, favorisant un nouveau sens du pèlerinage spirituel parmi les croyants. Au-delà de leurs implications religieuses, les découvertes de tombes ont souvent un poids culturel significatif. Elles fournissent des aperçus historiques précieux sur les sociétés anciennes, les pratiques funéraires et les techniques architecturales, éclairant les coutumes et croyances des civilisations passées. Les fouilles archéologiques de tombes, telles que celles de l'Égypte ancienne ou de Mésopotamie, ont révolutionné notre compréhension des cultures anciennes et de leurs pratiques religieuses. De plus, ces découvertes deviennent des points focaux pour la préservation du patrimoine culturel et le tourisme, attirant chercheurs, pèlerins et touristes. Des sites comme le tombeau de Toutankhamon en Égypte ou l'armée de terracotta en Chine illustrent comment les tombes anciennes peuvent devenir des symboles emblématiques de l'identité nationale et de la fierté culturelle, attirant des millions de visiteurs chaque année et contribuant aux économies locales. Bien que les découvertes de tombes rassemblent souvent les gens pour célébrer un patrimoine commun, elles peuvent également susciter des controverses et des défis. Les disputes sur la propriété, les efforts de préservation et les considérations éthiques liées à l'excavation et à l'exposition sont des problèmes courants. Par exemple, des controverses ont entouré les fouilles près du mur des Lamentations à Jérusalem, où les découvertes archéologiques se croisent avec des paysages religieux et politiques sensibles. De plus, la commercialisation des sites funéraires, tout en stimulant le tourisme, peut parfois trivialiser leur signification religieuse ou culturelle.
trouver un équilibre entre l'accessibilité pour les visiteurs et le respect de la sacralité de ces sites reste un défi délicat pour les gestionnaires et les autorités locales. À l'avenir, les découvertes de tombes continueront probablement à façonner les paysages religieux et culturels à travers le monde. Les avancées dans les techniques archéologiques, telles que l'imagerie non invasive et les reconstructions numériques, promettent de révéler de nouvelles perspectives tout en minimisant les perturbations des sites anciens. Les collaborations internationales et les directives éthiques seront cruciales pour naviguer dans les complexités de l'exploration et de l'interprétation des tombes, en veillant à ce que ces découvertes soient traitées avec sensibilité et respect pour leur importance religieuse et culturelle. Défis et techniques archéologiques. L'archéologie, l'étude de l'histoire humaine à travers l'excavation et l'analyse des vestiges matériels, est confrontée à de nombreux défis et utilise diverses techniques pour percer les mystères du passé. Défis en archéologie. La préservation des sites et des artefacts archéologiques est une préoccupation cruciale. Ces vestiges fragiles du passé sont vulnérables aux éléments naturels tels que l'érosion, l'humidité et les fluctuations de température. Les archéologues doivent employer des méthodes de conservation méticuleuses pour protéger ces artefacts pour les études futures et l'exposition publique. La localisation des sites archéologiques peut être décourageante, surtout lorsqu'ils sont enterrés sous terre ou dissimulés par le développement moderne. Les technologies avancées, telles que le LIDAR, détection et télémétrie par laser, les images satellites et le radar à pénétration de sol sont inestimables pour identifier les sites potentiels sans excavation extensive. L'excavation elle-même nécessite une planification et une exécution minutieuse. Les techniques telles que la stratigraphie, qui implique l'analyse des couches de sédiments pour établir une séquence chronologique des activités humaines, sont cruciales pour comprendre le contexte dans lequel les artefacts et les structures ont été créés. Techniques en archéologie. Avant que l'excavation ne commence, les archéologues effectuent généralement des sondages pour cartographier et évaluer le paysage. Les sondages de surface consistent à inspecter visuellement le sol pour des artefacts visibles, tandis que les sondages géophysiques utilisent des instruments comme les magnétomètres et le radar à pénétration de sol pour détecter les caractéristiques souterraines sans perturber le site. Lors de l'excavation, les couches de sol et de débris sont retirées méthodiquement pour découvrir les artefacts et les structures. Les méthodes d'excavation varient des outils manuels pour le travail délicat aux équipements mécaniques pour les opérations de grande envergure. Le principe stratigraphique guide ces efforts, garantissant que chaque couche est enregistrée et analysée en séquence pour reconstruire l'histoire du site avec précision. L'enregistrement et l'analyse sont fondamentaux pour le processus archéologique. Les archéologues documentent leurs découvertes par la photographie, les dessins et les notes méticuleuses. Les techniques de laboratoire, y compris la datation au carbone, l'analyse microscopique et les tests chimiques, fournissent des aperçus critiques sur l'âge, la composition et la fonction des artefacts. En fin de compte, l'archéologie combine rigueur scientifique et appréciation profonde de la culture et de l'histoire humaine. Malgré les défis, les avancées continues dans la technologie et la méthodologie enrichissent notre capacité à découvrir, préserver et interpréter les vestiges des civilisations anciennes, enrichissant notre compréhension du passé. Contexte historique du christianisme primitif. Le christianisme primitif est apparu au 1er siècle après J.A.C. au sein de l'Empire romain, façonnant profondément la civilisation occidentale et se répandant finalement à travers le monde. Son contexte historique est complexe, influencé par des facteurs sociaux, politiques et religieux de l'époque. Les racines du christianisme se trouvent dans le judaïsme, notamment dans la vie et les enseignements de Jésus-Christ, qui est né et a grandi dans un milieu juif dans la province romaine de Judée. À l'époque, la région était sous occupation romaine, caractérisée par des dynamiques de pouvoir complexes et un échange culturel. L'ardeur religieuse juive et la résistance à la domination romaine
ont créé un climat de tension et d'attente pour une figure messianique. Jésus de Nazareth, considéré par les chrétiens comme le Fils de Dieu et le Messie prophétisé dans les Écritures juives, a prêché un message d'amour, de pardon et du royaume de Dieu. Ses enseignements ont défié les autorités religieuses existantes et ont mis l'accent sur l'intégrité morale et la compassion. Après la crucifixion et la résurrection de Jésus, ses disciples, en particulier les apôtres Pierre et Paul, ont joué des rôles clés dans la diffusion du christianisme à travers le bassin méditerranéen et au-delà. Leurs efforts missionnaires, associés à l'infrastructure étendue de routes et de routes maritimes de l'Empire romain, ont facilité la propagation rapide des croyances et des pratiques chrétiennes. Le christianisme primitif a connu des périodes de persécution, notamment sous les empereurs romains, qui le percevaient comme une menace pour l'autorité impériale et la religion romaine traditionnelle. Malgré ces défis, le christianisme a continué de croître, attirant des convertis de divers milieux sociaux grâce à son message de salut spirituel et de solidarité communautaire. Les premières communautés chrétiennes, caractérisées par des rassemblements pour le culte, des repas communautaires, festins d'agape et des croyances théologiques partagées, offraient un contraste marqué avec les pratiques païennes prédominantes. L'émergence des écrits théologiques, tels que les évangiles et les épîtres du Nouveau Testament, a codifié les enseignements chrétiens et établi des normes doctrinales. Au IVe siècle après J.C., le christianisme a obtenu une reconnaissance et un soutien officiel sous l'empereur Constantin, marquant un tournant significatif dans la politique romaine et préparant le terrain pour sa domination éventuelle en Europe. Le contexte historique du christianisme primitif reflète ainsi un jeu dynamique d'innovation religieuse, de changements sociopolitiques et de transformations culturelles qui continue de façonner l'histoire mondiale et la société contemporaine. DWU, recherche moderne et avancée technologique. La recherche historique sur le christianisme primitif a été grandement enrichie par les avancées modernes en technologie et en méthodologie. Les fouilles archéologiques, aidées par des techniques d'imagerie avancées telles que le radar à pénétration de sol et la modélisation 3D, ont mis au jour des artefacts anciens, des manuscrits et même des églises chrétiennes primitives, fournissant des preuves tangibles, des pratiques et des croyances chrétiennes primitives. De plus, la critique textuelle et l'analyse linguistique ont éclairé le développement des écritures chrétiennes, révélant comment les textes ont été composés, modifiés et transmis. La découverte des manuscrits de la Mère Morte et d'autres manuscrits anciens a enrichi notre compréhension des nuances linguistiques et de l'évolution théologique des textes chrétiens primitifs. En outre, les approches interdisciplinaires, combinant la recherche historique avec des domaines tels que la sociologie, l'anthropologie et les sciences cognitives, ont approfondi les perspectives sur les dynamiques sociales, les pratiques religieuses et les interactions culturelles des communautés chrétiennes primitives. Ces méthodologies aident les chercheurs à contextualiser les mouvements chrétiens primitifs dans des paysages sociopolitiques plus larges, en examinant comment ils ont réagi à et influencé leur environnement. Dans l'ensemble, la recherche moderne et les avancées technologiques continuent de percer les complexités du christianisme primitif, offrant une compréhension nuancée de son contexte historique et de son impact durable sur l'histoire et la culture mondiale. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes encore là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.